Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai connu à l'époque lors de mes débuts sur la Super Nintendo. Donc lors de mon tout premier achat, donc la console en boîte de la Super Nintendo, il s'agissait du pack Starwing. Et oui, le pack Starwing, un pack juste extraordinaire qui regroupait donc la console, une manette et le fameux jeu avec la fameuse puce FX intégrée qui rendait juste ce jeu incroyable avec des effets 3D juste hallucinante pour l'époque, bien sûr produit édité par Nintendo, donc un jeu purement Nintendo fait pour cette console qui vraiment l'a poussé dans tous ses retranchements. Donc voilà mon tout premier jeu Super Nintendo, je tenais absolument à vous en parler dans cette vidéo. Donc pour la petite anecdote, petit pack en fait Super Nintendo que je suis allé en ville avec mon papa à l'époque récupérer ce pack. Alors il faut savoir que en tout premier lieu, le pack que je souhaitais avoir comme tout garçon qui se respecte, c'était le fameux pack avec le fameux jeu de combat Street Fighter 2 bien sûr, et aucun autre. Mais bien sûr, ce pack étant très demandé, fut très demandé à l'époque, du coup il était très rapidement malheureusement en rupture de stock. Donc je me suis rabattu sur le deuxième pack et je n'étais pas déçu. Pas du tout déçu par rapport à ce jeu qui était juste hallucinant d'un point de vue technique avec tous ses effets. Donc le fameux pack avec le jeu Starwing, que je possède dans ma collection en version boîte. Donc voilà pour la petite boîte avec voilà la face arrière, donc juste oufissime, où vous pouvez incarner donc Fox McCloud, donc le fameux renard. Donc voilà parmi tous ses équipiers. Avec les autres pilotes, donc Fox, Falco, attendez, je vais vous dire ça exactement. Il y avait quatre compagnons de route, voilà. Donc Poppy et bon, bref, de toute façon vous les connaissez, donc n'hésitez pas à me dire leur nom dans l'espace commentaire. Là j'ai juste un tout petit trou de mémoire, voilà donc mais vraiment très très bon jeu, excellent jeu, le Starwing sur Super Nintendo. Donc, que je me suis racheté donc complet en boîte avec sa notice. Je vais vous montrer sa notice, belle notice aussi. Donc en pâle, un beau petit mode d'emploi avec, vous pouvez le voir, des belles images. Hein. Voilà, les images donc des personnages, des héros du jeu. Tout simplement, les fameuses commandes, comme vous pouvez le voir. Voilà, quelques screenshots du jeu. Avec l'écran titre, voilà, juste hallucinant avec donc tous ces polygones, tous ces fameux effets 3D qui étaient bien sûr à base de polygones. C'était pas lissé comme on connaît les graphismes actuels, mais vraiment voilà. Donc en fait c'était Fox McCloud, on est dans les personnages juste ici, Falco Lombardi, Pepe R et Sleepy Toad, voilà. Donc le lapin et la grenouille, voilà. Donc ça c'était tous les compagnons d'armes de Fox McCloud dans ce jeu, donc jeu juste hallucinant, où vous pilotez un vaisseau extrêmement très 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 futuriste pour l'époque dans l'espace, voilà, donc sur la planète Corneria, et fallait passer également des champs d'astéroïdes, différentes planètes. Il y avait aussi Titania, Fortuna, la planète Venom et bien sûr donc le fameux ennemi à la base abattre. Donc plusieurs routes également que vous pouviez emprunter. Donc vraiment voilà, donc vraiment très 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 bon jeu pour l'époque. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo parce que c'était vraiment mon premier jeu, le tout premier jeu que j'ai connu sur cette console, juste hallucinante. Donc je vous propose sans plus tarder de passer au let's play. Voilà, donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est une vidéo de présentation et de let's play du jeu. Donc on va se remettre dans le bain. Donc je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo. On va passer un petit moment ensemble, un petit moment sympathique. Allez, c'est parti pour let's play. Allez, c'est parti. On est sur Starwing, sur Super Nintendo, sorti en 1992. Si je me trompe, dites-moi ça juste en bas dans l'espace des commentaires. Voilà, regardez-moi cette démo technique, cette introduction du jeu juste ici.
pour l'époque, jeu entièrement fait en 3D, tout premier jeu en 3D. Ce Starwing. Voilà, l'écran titre. Baisser un tout petit peu le volume. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'écran de contrôle. On a différentes possibilités, différents contrôles. Donc le A, le B, le C et le D. Voilà, donc les possibilités de changer. Donc, pour contrôler, donc on pouvait scroller à gauche, scroller à droite. On pouvait lancer des bombes. Il y avait le boost aussi, donc le blaster, donc le tir normal. On pouvait changer également la vue et monter, descendre, bien sûr, quoi. Donc nous, on va laisser le contrôle A. Et vous avez la possibilité de vous entraîner, donc faire un petit mode entraînement avant de passer au game, tout simplement. Nous, on va passer au game, et je vous propose de faire un petit bout de chemin. On va faire le niveau 1 ensemble, histoire que vous vraiment découvriez le jeu, si jamais vous n'avez jamais fait, ou si, tout simplement, pour vous remémorer des bons petits souvenirs sur la Super Nintendo. Allez, c'est parti! Goodbye. Des effets de dingue quand vous sortiez de la base là, juste de ouf. Stage 1, ah, c'est parti. Ouais, on peut plus ton tir. Mon coéquipier. J'ai un peu merdé. Là, j'ai lancé une bombe pour rien. C'est pas grave. Les robots. Ah, j'ai raté le shield. Scroller à droite. Voilà, ça c'était sympa aussi. Possibilité de sans qu'on pouvait même briller, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Ah, j'ai chopé du shield, non c'était une bombe. Là c'était du shield, avant c'était une bombe, j'ai pu récupérer. Méga bombe. Voilà les coéquipiers qui me rejoignent. Voilà, on arrive au premier boss, donc la barre de l'ennemi qui s'affiche en haut à droite, notre vie en haut à gauche, notre bouclier en bas à droite avec nos bombes, et mon bouclier, donc ma vie en bas à gauche. Alors on va tout de suite lui lancer. Voilà, une partie de l'ennemi a été détruite avec tout simplement le bombe. Voilà, deux parties ont été détruites. On va éviter maintenant les méga bombes qu'il est en train de m'envoyer. On va essayer de le bombarder. Et voilà, ennemi vaincu.
J'ai vraiment pas perdu la main, je me suis un tout petit peu entraîné avant de faire cette vidéo. Vraiment, vraiment très content de faire cette vidéo avec vous, une vidéo souvenir. Voilà, les musiques sont juste officielles, c'est vraiment un très très bon jeu, Starwing. J'ai adoré. Alors bien sûr, on n'est pas sur du Street Fighter, on n'est pas sur du Versus Fighting, mais un jeu très très... très très futuriste pour l'époque, avec des effets de polygones juste extraordinaires. Allez, vous savez quoi, on continue un petit peu plus la vidéo et je vous propose de se faire de parcourir un champ d'astéroïdes ensemble. Allez, c'est parti. Donc Andros, voilà, c'était le nom que je cherchais avant. Donc Andros sur la planète Venom étant le boss final du jeu. Donc, j'avais vaincu aussi à l'époque. Voilà, donc là on a cette fameuse vue dans le cockpit qu'on se trouve dans les champs d'astéroïdes. Je suis en train de me faire avoir. Alors on avait la possibilité de détruire les astéroïdes dorés. Les autres rochers, les autres astéroïdes n'étaient pas possibles de détruire, pas les gris. On pouvait retrouver également des items cachés dans les dorés. Ah, je me suis fait toucher. Encore fait toucher, là j'ai dévié sur ma chaise, ça ne sert absolument à rien. On va essayer de choper le. Je crois que j'ai raté le shield. Oh là là, et j'ai perdu. Là je me suis fait avoir par le champ de série, j'ai absolument plus la main. On va le retenter. Savoir que si vous aviez utilisé toutes vos super bombes dans le niveau d'avant, vous ne les aviez plus dans le niveau précédent, dans le niveau suivant, tout simplement. Donc on communiquait avec vos coéquipiers, communiquaient avec vous dans le jeu. C'est aussi plutôt sympa. La visée était semi-automatique. Voilà, je me suis pris un rocher bêtement. Ça fait mal hein, les rochers, enfin les astéroïdes. Je ne sais pas s'il y en a pas tant que ça. Jusque là ça va mieux qu'avant, on va essayer de se prendre le. Voilà, là on a récupéré toute notre shield, toute notre vie. Jusque là ça peut aller. On
Chien plein de gueule, attention aux bombes. Ah, alors là on est... C'est le boss, on va se garder les bombes. Alors là, là il faut tirer sur les parties brillantes. C'est ça le but de... Voilà, de ce côté-là, il fait. On lui a fait perdre la moitié de sa vie. Et voilà, on l'a eu. Voilà, donc le boss du... Enfin, du niveau d'astéroïde est terminé et vaincu, je suis assez content. Donc, malgré un échec, tous ces souvenirs d'enfance là, qui remontent à la surface là, et cette satisfaction de remporter la victoire sur un niveau. Donc, c'est juste ouf. Donc, franchement, moi, c'est un jeu que je vous recommande vivement. Donc, voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus sur ce petit bout d'explay. On se revoit juste après ça pour la conclusion. À tout de suite. Voilà ce qui conclut cette vidéo tout simplement. Donc par une petite vidéo de gameplay. Donc sur un jeu cultissime que j'ai adoré de la Super Nintendo. Donc mon tout premier jeu Super Nintendo. Comme je vous l'ai dit juste au tout début de cette vidéo. Donc jeu Starwing que j'ai eu dans le pack Super Nintendo. Donc Super NES et Starwing. Donc pack cultissime que je possédais à l'époque, donc en 1992-93. De toute façon, vous allez me corriger tout ça dans les commentaires si jamais je me suis trompé niveau date, un an ou deux ans près, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, donc Starwing, jeu cultissime et indémodable. Si vous ne l'avez jamais fait, bah, je vous conseille de le faire, ne serait-ce, comme je dis toujours, en émulation. Et si vous ne l'avez pas dans votre collection, bah, un petit conseil. Je vais posséder absolument dans sa collection Super NES. Ben voilà, ce qui conclut cette vidéo en beauté. Je l'espère qu'elle vous aura plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous dans l'espace des commentaires. Surtout, pensez bien à vous abonner. Ça m'aide énormément pour continuer à booster ma chaîne. Donc ça me fait énormément plaisir. Pensez bien à activer la cloche de notification juste au-dessus pour être averti des prochaines vidéos sur la chaîne également. Je vous dis à plus les amis, portez-vous bien, allez, ciao ciao.